nous t'a posé un ensemble de questions par rapport à polémique qui t'a gagné autour de cérémonie ça. Gagné à pile monde qui t'a croit que c'est un bagage inédit. C'était toute première dans l'histoire choisie premier ministre dans le pays. Parce que remise, ampliation a été nommée premier ministre. L'icône, on voulait dans sa cérémonie d'investiture. Mais contre toute attente, cérémonie en fait, il y a la parole qui prend. Il y a un engagement qui prend. Et il y a même une parole qui te dit à partir de cérémonie, M. Garry Conille est officiellement premier ministre du pays. En pile, le monde te réagit pour te dire cérémonie, ça va bien sens. Il te dit ça, son installation. Il dit non, ce n'est pas installation, etc. Donc, autour de ça, il y a une polémique qui te prend des sens. Et nous autres, comme nous avons suivi de près comme de loin, nous sommes venus dans l'espace aérien, nous avons essayé de questionner la nature en cérémonie comme ça, l'importance dans le processus pour choisir ou bien pour nommer le premier ministre en d'un pays. Nous avons même dit qui ça a gagné comme impact, ça est capable de faire comme avantage, etc. Et c'est ça que fait dans l'échange nous avons gagné ou après à un moment me t'ai posé une question ça me dit à partir de cérémonie lundi a qui est-ce qui a dirigé primature qu'on y a est-ce que c'est le premier ministre ad intérim monsieur Michel Patrick Boisvert ou bien c'est monsieur Garry Conille qui lui-même gagne en mêle ampliation arrêté qui nommé comme premier ministre là. Si nous référons à procédure avant yo, que ce soit au regard de constitution 1987 là ou bien constitution 1987 amendée, n'a pas changé première étape là, c'était désignation. Là nous sommes en temps normal, les gain parlement. Deuxième étape là c'est nomination. Troisième étape là c'est ratification. Quatrième étape là, c'est investiture. Et cinquième et dernière étape, c'est installation. Nous avons la Constitution 1987 amendée, nous avons retiré la désignation parce que nous avons estimé le processus là était trop long et trop lourd. Qui vient faire que depuis que choisi pour le ministre, ou depuis le président choisi pour le ministre, il est tout nommé. Et l'on nommé le guerrier du seul, il a habilité le. À fond série de bagages, par exemple, il est capable de faire réunion, participer dans monter cabinet, de constituer gouvernement, ou après le nommer premier ministre tout, ce qui pas de faire, ça qui pas de faire avant, les désigner, ou désigner là-bas, le nommer, il y a tout balai, machine, sécurité, etc. Et probablement, côté lié, il y a un bureau. Et là, ça, à chaque fois, il y a peur, il le dit premier ministre nommé. Et le fait qu'il a habilité à monter cabinet, et c'est à partir de ça, il y a pour descendre dans le Parlement avec tout ministre pour aller présenter la politique générale et puis pour le Parlement soit ratifié ou bien dire au gouvernement ça ou rejeter. Ok? C'est ça que tu as fait. Mais quand il y a là, comme par le Parlement, comme nous n'avons pas une situation normale, nous n'avons pas état de fait, si nous avons dit comme ça. Si nous prenons le cas, Garry Conille là. Nous avons considéré l'étape de désignation, le monsieur Damio au niveau du conseil présidentiel, ou bien monsieur, yo, puisque le monde qui a voté, c'est garçon seulement. Il était entendu par consensus pour décider si Garry Conille est premier ministre de transition. Nous avons considéré l'étape ça comme étape 1 dans le processus. Là. Deuxième étape, là, c'est l'étape nomination. Côté non seulement ils ont publié résolution côté ont choisi Garry Conille par consensus entre eux mais ils ont publié tout arrêté qui nommait citoyen Garry Conille comme premier ministre
Donc ça t'a voulu dire qui ça? Si nous toujours été dans processus là, il y a l'autre étape qui était pour franchir pour capable faire de monsieur Kony un premier ministre à part entière. C'est ça nous penser, c'est ça nous supposer. Après une nomination comme bargain parlement. Derrière nous retirer question ratification. Maintenant, nous sommes capables d'y arrêter deux. C'est investiture, c'est installation. Mais bon, bagaille, et c'est lui-même que nous avons essayé de comprendre lundi dernier, c'est que dans tout dernier premier ministre qui passe là, on va parler surtout ce qui passe sur Jovenel Moïse, on parle Ariel Henry à soi. Ariel Henry, c'est ton autre bagaille. On prend Seyan, on prend Jout. On va pouvoir guerrier Dieu seul. C'est dans la cérémonie d'investiture là, il faut qu'on remette intéressé à ampliation arrêté qui nous met là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cérémonie pour quoi. Et parce que c'est ça qui te pose tout problème, non. Pas de cérémonie pour remettre ampliation. C'est en dans cérémonie d'investiture là, il faut remettre intéressé ou bien concerné à ampliation. Hein? Et puis parole parler. Causé dit, ça fait généralement la palais nationale. La nationale, ouais. Et puis après ça, avec tout cabinet ministériel là, le nouveau premier ministre là, à l'installer au niveau de la primature. C'est ça. Oui, et c'est une raison qui fait, il y a quelqu'un qui t'a demandé qui côté le premier ministre Ariel Henry de joindre une copie arrêtée qui nomme là. Oui, t'es parce que la cérémonie investiture là-bas, j'aime pas fait. Il de tout faire installation. Oui. Donc, après, oui. Puisque le président Jovenel Moïse, c'était 6 juillet. Donc, pour qu'on ait une cérémonie. Cérémonie d'investiture, en fait. Ouais. Yeah. Oui, c'est ça qui fait que les gens t'ont demandé qui côté. Si tu as été jeune. Bon, il y a le groupe qui t'a banni. Donc, dans le cas de Arigoni, il franchit l'étape désignation, il franchit l'étape nomination. Logiquement, cérémonie que tu as dit, elle était douée en cérémonie d'investiture. Il dénoue ça. Oui. Et là-dedans, il a remettre lui ampliation arrêté nommé comme premier ministre. Et malheureusement, monsieur Dam, il est très prudent. Il n'a pas relé comme ça. Il a simplement relé la cérémonie de remise d'ampliation de l'arrêté, etc. à Garigoni. Et ça fait des gens qui croient que si on n'a pas dit son installation, donc il faut qu'il vienne avec un qualificatif. Parce que quand même, il faut une cérémonie pour remettre un document qui fait de lui une autorité. Yeah. Jean-Zamim Coveton Dakadil, ce n'est pas la graduation, M. Kony, tu es allé pour dire que tu as l'ampliation d'un diplôme de Baza. Ce n'est pas un titre honorifique pour comprendre. Et ce n'est pas première communion, etc. Le certificat de première communion. Donc, son chef. Vous comprenez, il y a un document qui fait de lui une autorité, qui fait de lui s'allier à vrai. Donc automatiquement, tout le monde dit dans la logique des choses, il est devenu tout chef. Par contre, vous comprenez. Oui. Mais, pas oublier, il y a une forme. Et ça fait de dire, si on a fait considération politique, il se pourrait bien que le choix n'est fait pour faire une cérémonie, pour remettre M. Kony, ampliation arrêtée, il n'est pas innocent. Par contre, je comprends. Mais pour l'équipe Garigoni, la guerrière, depuis la cérémonie lundi, pour yon, M. Kony, son premier ministre, that's it. Pour l'équipe Lia. Pour l'équipe Lia. Pour l'équipe de Garigoni, depuis lundi après-midi, M. Kony, son premier ministre, à part entière. Donc pour yon, PM là, tu as commencé à avancer. N'imposer une série de actions, n'en prendre une série de décisions concrètes. Après, vous venez avec question signature là, vous venez avec question pour le premier ministre de nommer une série de monde dans l'entourage li. Par exemple, son chef de cabinet, possibilité pour le nommer secrétaire général primature, etc. Entre autres décisions. Et l'équipe ça a accusé premier ministre AIA, M. Michel Patrick Boisvert, qui est qualifié de premier ministre Conseil présidentiel transition. Vous voyez? Puisque c'est Conseil
présidentielle transition a été renouvelé mandat monsieur Boisvert pour un mois. Il a accusé comme monde qui t'a bloqué Gary Conné pour empêcher l'avancer. Et il dit PM a y a venu avec blocage ça sous prétexte que gouvernement pour installer. Il y a déjà. On a d'a posé question. Est-ce que Michel Patrick Boisvert bon quelconque intérêt pour bloquer Gary Conné? On sait pas. Mais si on t'a avancé logique installation pour bailler Gary toute l'attitude comme premier ministre guerrier, est-ce que c'est ta mauvaise foi? Est-ce que tu as un certain sens? C'est effectivement nous d'accord, cérémonie que tu as faite lundi, il n'y a pas rien pour eux avec l'installation. Installation. Pas dans ce gouvernement. Je dis, ça nerve l'équipe Conné là, parce que Conné n'a pas rien qu'à faire vraiment au niveau de la primature, sinon, si tu as réuni avec mon palamon. Mais mon garon de l'eau, si Conné a besoin de boire, ou bien besoin de l'équipe Libre, c'est dans poche pour le retirer. Donc, ça veut pas gagner vraiment. Et... Il y a un droit de signature. Bon, il parle de ça pour spécimen signature qui pourrait être l'autorité compétente pour qu'on ait désormais ces citoyens qui doivent signer pour un série de bagailles. Il n'y a pas qu'à engager l'État véritablement. Donc, pour l'équipe Conné, c'est une insulte. Et ça fait, on parle avec plusieurs qui disent Conné, ils font coller. Et hier, et même demander l'équipe li pour lever pour aller, etc., pour ta fin de yo, parce que vous pensez sacrifier à son dérespectant. Mais quand il y a là, guerrier, on prend pour acquis que sacrifier lundi a gagné pour avec l'installation. On prend pour acquis que l'installation est fondamentale pour faire du premier ministre un premier ministre. À part entière. Ou d'accord, je dis, ya, si c'est vrai, qu'on y peut qu'on installe. Donc, s'il peut qu'on installe, il peut que tout premier ministre ça. Comprenez bien? Oui. Et si on peut que tout premier ministre ça, il vient dans le TGF SOS pour qu'on ait contrôle primature. Oui, pour qu'on engage l'État. Donc, pour qu'on ait contrôle primature, vous le dites, il y a des débats pour qu'on ait fait. Pour qu'on ait posé signature dans une série de documents, ou pour qu'on ait fait débloquer fonds, ou pour qu'on ait capable de faire des nominations, etc. Mais, en fait, logique, guerrier. Si Conné est premier ministre, ils sont premier ministre tout bon vrai, ou d'accord, on a vu avec tout gouvernement. Sous qui base, ou prêt à commencer à signer, qui ministre qu'il a, ce sont les ministres démissionnaires. C'est comme si auto hérité de gouvernement d'absolutia. Oui. Si vous dites qu'a fait oubli gombaye qu'a fait etc. cetera, t'as l'autant douté dans zin là. Tes gombaye qui t'est fait c'est ou t'es ba autorisation. Yes. Par contre, vous comprenez. Donc il est logique que si on vient pour ministre ou vient à toute équipe. La équipe. Donc tout ça que vous faire on fait là avec équipe. Même lorsque t'as des ministres qui reconduit même pas de problème. Et si vous le ministre, si vous ministre pardon qui était dans gouvernement démissionnaire là, qui était qui vient dans le gouvernement là, il vient dans un nouveau gouvernement derrière. Parce que tout le monde qui est là, c'est des gens qui ont liquidé les affaires courantes. Par contre, vous comprenez, pouvoir au limité. Donc si vous-même vous venez comme chef de gouvernement, ou pas chef, c'est ça qui fait un petit genre perdu. Mais vos amis qui parlent de conseil gouvernement que Conné va organiser. Vous avez dit avec qui ministre? Avec qui ministre? Soit organiser le conseil de gouvernement comme chef gouvernement, ou chita parler avec ministre. Mais semble, l'équipe Conné n'a pas eu comme ça. Donc, bon marché pressé au niveau de l'équipe de Conné, puisque vous dites eux-mêmes que Conné c'est travaillé à l'intérieur de la CE. Donc, avec des ministres du gouvernement démissionnaire, donc il faut que Conné ait une possibilité pour commencer à poser des actions. Moi, je pense que là, c'est un gros risque, guerrier. Parce que les gens qui ont sauté, ils ont fait contre gars. Donc si vous-même venez et vous voulez ça avec vous, vous êtes capable de signer des bagages encore, vous êtes perdu. Par contre, est-ce que c'est patient qu'on dit pas patient assez? Est-ce que c'est vrai qu'on dit vrai qu'on s'est de bagages parce que le pays ne peut plus attendre? Ou bien est-ce que qu'on dit vrai de tout pouvoir parce que le bagage est tête? Pas forcément qu'on est. Et question à poser. Mais nous dit,
pour le monde qui maîtrise la question administration de l'équipe, la question technicalité de l'équipe, si effectivement, volet installation, lui joue un rôle important dans le fait de monde qui nommé comme premier ministre, son premier ministre à part entière, donc je dis à nous d'accord que le premier ministre connaît pour tout pouvoir. Donc si nous d'accord avec Teza, donc c'est là que M. Finfait cabinet, c'est là que M. Fin installé avec cabinet, c'est là ça qu'on y a là, on a dit qu'on a tout pouvoir comme chef de gouvernement. Par contre, je vous donc pour l'équipe qu'on est là, ça crivé là, c'est un blocage. Donc pour le blocage ça, c'est parce que vous voulez faire Kodi chanter. C'est comme ça, vous voulez même. Vous voulez faire Kodi chanter. On a si nous avons considéré vous les chantages là. Il y a rien de seul. Gagner des gens, pas forcément les conseillers présidents, des gens qui sont des gens qui font partie du secteur qui forme le conseil là, ou des gens qui sont proches du conseil là. Ils ont toujours été croyants que si Konin joue un plein pouvoir, il installe un série de bagages, il n'y a pas qu'à rendre, il n'y a pas qu'à exiger. Il y a ça tout. Ils ont cru que faut Konin libre le ministre à demi pour qu'à exiger ça a ouvert dans la formation gouvernement et c'est l'elfe qui est satisfait de l'exigence qu'on a. La qu'à installer et c'est l'elfe qu'on a, la qu'à chef tout bon bruit. Il y a ça tout bien intervalle. Parce que, pas oublier, même si vous entendez au niveau du conseil présidentiel, qu'on est venu avec des propositions, il y a accueilli. Mais pas oublier, conseiller président, il n'y a pas mettre tête. Il y a des secteurs. Et nous avons dit ça. Si conseiller président n'a pas pris distance avec le secteur que vous avez, il est capable de causer du grand tort à la République. Parce que je dis à fuck nèg yo ak femme qui dans conseil présidentiel là d'accord yo c'est des hommes et femmes d'état yo vont arrêter qui nomme yo qui va au pouvoir pour agir dans l'état de que pas cacher pas satisfaire désir des groupes politiques qui voyez yo nous pas dire pour divorcer avec yo non yo doit informer yo de consulter en sens comme c'est nous te voyez mais ça cap décider mais pas pour dicter c'est vous même qui en dans l'état c'est vous même qui va directive l'état. Par contre, je vous citoyens de l'Union européenne, voilà. Donc, moi, fais parenthèse, c'est pour m'expliquer jusqu'à présent, il y a deux bagages qu'on a voulu faire ou bien venir avec comme proposition, ils n'ont pas trop bien vu au niveau des secteurs guerriers. Il y en a d'ailleurs, c'est que logique pour gagner des ministères clés, régaliens qui ne peuvent pas aller dans les gens qui vont dans l'élection. Mon Dieu estime que qu'on n'y a pas qu'un parole. Parce que, avant qu'on ait nommé, avant de choisir le consensus, il y a des garanties que le débat est cotisé. Les qu'on ait fini nommé, qu'on ait rentré en Haïti, le rencontré avec eux, il y a des garanties du débat. Donc, vous estimez, une fois qu'on ait venu gagner un minimum l'attitude bullshit à parler avec eux pour négocier, vous sentez qu'on ait voulu changer. Bien que bon bon parti dans le conseil là, les connaît dit n'a pas arrangé pour ministère qui est important ou bien ministère clé au parlement mais monde politique yo, il y en a qui t'ai accueilli favorablement. Même te dit bon réserve qui pas jamais exprimé publiquement mais qui t'ai gagné. Il dit est-ce que connaît lui-même monde qui pourrait proposer ou qui pourrait mettre là-dedans yo? C'est pas pour préparer élection pour l'autre groupe qui va forcément lui-même. Parce que vous craignez tout. Oui, ce qu'on est grand chef gouvernement pour organiser l'élection. Mais est-ce que vous tout par une équipe qui prend l'élection, qui est capable d'utiliser le ministère Sayo au profit de vous-même? C'est préoccupation. Il y a ça tout comme préoccupation au niveau des secteurs. Et ça, il faut être dilatoire, ça. Donc, mon secteur Sayo croit un bagaille. Vous croyez que vous avez un agenda qui peut vous dévoiler. Ou bien il y a des éléments d'agenda, M. Konin, qui ne peuvent pas dévoiler. Donc, vous n'avez pas voulu pour vous finir par Konin tout pouvoir. Et puis le connu qu'on y a la fin de tout pouvoir, il a dit non, nous gâtons d'eau, mais ça ne veut pas dire que nous obligé d'accepter à sauver. Et voilà pourquoi les gens qui disent, c'est exprès que vous faites même. Ils n'ont pas dû rentrer dans la logique, ni investir sur l'installation, ils ont dû son cérémonie de remise d'ampliation de la réalité qui nommait pour le ministre.
Et puis, aller plus le mieux jour, ça y a offert, les bails pour le ministre en attitude pour former le cabinet. Seulement ça. Même pour qu'on ait tout le pouvoir, oui. Mm-hmm. Et ça, on a eu dit. Même si on ne peut pas exprimer publiquement, mais les discuter. Parce qu'on dit, comme les pour qu'on ait pouvoir entièrement, donc si on a le minimum ça pour le capable de former le cabinet, et on dit, il y a profité pour dire, mais ça y a ouvert eux-mêmes. Parce que si vous avez plein de pouvoir, vous quittez l'installé, vous avez décidé de dire, monsieur, je n'ai pas forcément besoin d'esclaves, nous dit non. Vous avez décidé de ça, c'est pas bon. Bien ça, oui. Et ça fait, monsieur, dame, qui n'a équipe connue, vous croyez que blocage ça pour vous, ça, oui, le blocage là, c'est parce que vous voulez faire qu'on y chante. Vous dites, vous avez besoin d'installer plus vite, pas un problème. Si vous avez besoin d'installer plus vite, mais ça nous voulait. 1, 2, 3, 4. Bien ça, vous avez discuté dans l'intervalle. Il y a ça tout à discuter. Et ça qui fait vous parler de chantage là. C'est comme si mon secteur dans le CPTA ou bien en pile dans les guerriers, yo dit tête yo si on prend tout pouvoir là dans le coni, est-ce que coni pas combat libre préparer pour comme coup. Et puis yo dit tête yo comme ça. Yo va rentrer courir dans démarche naïf. On démarche naïf, dit nous dire comme ça. Pour yon kou livre yon, ba yon koni, et puis le koni fin joué de plein pouvoir pour yon pas gagner en prison. Donc yon dit si bon bagay a exige koni, c'est depuis gonya. Ba yon du gopan yon, c'est depuis gonya. Yeah. Et bien c'est ça de yon. Ba yon sa fè, monsieur koni yon, neve, yon fâché, ne yon retourne dans l'hôtel côté yon, ou nou, et yon estime son dérespectant. Et puis ma pala yon dit, mais faut d'accord tout. Si l'installation a un rôle capital dans le processus là, faut d'accord que Koni, un, pour qu'on ait un gouvernement, pour qu'on ait un cabinet, et deux, pour qu'on ait installé. Donc si nous pouvons installer, nous d'accord tout, nous allons dire, mais combien faut-il de temps pour l'installation faite? Par contre, je vous comprends. Nous allons dire, combien faut-il de temps pour l'installation faite? Mais moi-même, considération par nos guerriers de seul, Koni n'a pas qu'à installer pour continuer, pour la coopérer avec des ministre qui démissionnaire. Qui a même un pouvoir limité. Tout. Limité. Ouais. Donc, si vous voulez jouir de plein pouvoir, il faut que vous veniez ensemble avec le cabinet, le ministre PAO, le ministre qui a passé l'ordre, qui a réuni avec le conseil de gouvernement, qui a dit que c'est un directif là, en avance. Claire. Donc, pour moi, ça n'a pas doué une grosse préoccupation. Bien que je ne pas écarté possibilité pour gagner, blocage la vraie, parce que c'est politique que je fais et que je fais politique la Malaisie. Je ne pas écarté possibilité ça. Je ne dois pas penser qu'on dit bon intention, et puis on dit pas un problème, à mal et mal et demi, comme je ne pas qu'on intention, vous n'y, et bien tout anticipé, vous même, vous mettez ça comme balise. Par contre, je et du coup, ça a retardé, guerrier du seul, la formation du nouveau gouvernement. On y a à quand le nouveau cabinet ministériel, jusqu'à hier soir de très tard, moi parlé avec un source proche conseil présidentiel là, il aurait été quoi que l'impossible toujours, même si les difficiles en même temps, mais l'impossible pour cabinet ministériel a dévoilé jeudi à monsieur est-ce que très tard dans la nuit. Mais moi-même, personnellement, très sceptique. Par rapport à l'ensemble dilatoire qu'a fait yo. Pabli yo nous dit, c'est pas seulement conseiller président yo. Ou car il y a deux, trois conseillers président yo même qui n'ont pas de problème avec Koni. Qui t'a même avancé, mais surtout si vous avez entendu très bien Koni. Pabli, Koni font bagaille. Qu'on y rencontre les négociés séparément, ils parlent à négocier séparément et puis ils rencontrent les négociés ensemble. Mon gars dit qu'on n'est pas politicien, bref. Par contre, vous comprenez, non? Ils rencontrent les négociés séparément. Ça veut dire, ils disent, ou par contre, ça a discuté avec Smith, par exemple, ou par contre, ça a discuté avec Gérald Gilles, ou par contre, ça a discuté avec Laurent Cécile, ou par contre, ça a discuté avec Vertiller, Edouard Le Bluffis, Fritz Jean, etc. Et puis après ça, ils rencontrent avec eux ensemble.
Marrant, c'est vrai. De guider conseiller président qui doit se sentir confortable, il n'y a pas de bloquer Kounivi. Mais guider le tout par rapport avec le secteur qui décide de dire eux-mêmes, il ne peut comprendre ça qu'on veut faire parce qu'il n'y a pas beaucoup clair. Il ne comprendre ça qu'on veut faire. Eh bien, ça, c'est certain, là, pour retarder et formation nouveau gouvernement. Conversation que avec un sous-proche conseil là, hier soir, Dimto Guerrier, moitié dans la ministre qui est en fin de choisir. Moitié dans le gouvernement qui est en fin de choisir. Moitié. Et si on allez dans le même rythme là, j'aime ce dire tout à l'heure, il est possible, très tard, dans la nuit, vendredi pour le samedi, pour nous connaître qui est-ce qui fait partie du nouveau cabinet ministériel là. Et lundi, probablement, il est capable de procéder à l'installation ni Koni, mais ni cabinet à tout, pour faire de yo, des chefs à part entière. Hier, il y a eu une rencontre entre le Premier ministre avec CPTA. Il est arrivé à entendre sur jumelage ou bien fusion qui fait entre certains ministères. Nous avons expliqué ça hier matin. L'équipe connaît est clair que vous même pas supprimé ministère, vous pas éliminé ministère. Vous simplement fait deux ministères aller sous l'obédience de l'autre ministère. Mais avec même base là. Guerrier. Mais dernier sac souti autour fait quoi que ministère conditions femmes, ministère sport, ministère de la jeunesse, des sports et de l'action civique, tadoué ou même pas fait partie de jumelage là. De tadoué, des ministères pour quoi yo. Bon, nous faisons un petit peu sur ministère jeunesse avec sport là. Gon problème là qui est très sérieux. Ndap dit si M. Koney, ndap dit ça avant hier, il est rentré dans la démarche pour le premier ministère, ça offre un ballot ministère, il est quelque part incohérent. Avec ça, il était annoncé dans la première intervention officielle de l'IA, l'elle dit que priorité après l'accorder à jeunes et à mesdames. Donc, il a discuté ça dans l'équipe et puis il a d'accord quitter le ministère ça jusqu'à présent. Pourquoi? Mais ça passe. Il y a un ensemble de groupes sur l'obédience observatoire de la jeunesse, guerriers de seul, qui ont même été endossé choix pour nous. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Et il était endossé choix Koni dans la discussion probablement gagné avec l'équipe Koni. Il était quoi que le ministère de la jeunesse revient au droit dans le sens que vous êtes doué proposer au monde qui pourrait aller en fonction de ça lui-même comme revendication pour le secteur. Parce que vous croyez, ce n'est pas un job, d'après ça, je discute avec quelqu'un, non ministère ou bien non cabinet, juste pour gérer tête, mais vous dites qu'il faut que vous espace capable d'appliquer. Ma propriété propre, moi, politique, en politique jeunesse, par rapport avec ça, je n'y ai confronté comme problème, comme défi, etc. Mais je dis, les Koni, ou bien l'équipe Koni, a décidé pour quitter le ministère jeunesse avec sport pour quoi, je dis, mon secteur dans le CPA qui fait grâce au lit. Il va être monsieur observatoire de l'UNESCO avec tout l'autre jeune qui était participé dans le processus là. Et tête virée. Parce que vous-même qui finissez par prendre des risques pendant tout choix, pendant tout processus pour te choisir candidat dans la course premier ministre, vous-même qui fait des lobbies, vous-même qui prend des positions, vous-même publiquement qui dit que vous supportez Koni, vous endossez Koni, vous-même qui fait lobby pour Koni. Et puis, vous avez un bon matin, vous êtes sur route comme si vous perdiez. Selon vous, hein, ça qui revient au dedans. Parce que vous-même, vous dit, il n'y a pas de problème que ce n'est pas yo même en soi qui est le ministère jeunesse, mais il faut que les jeunes, et pas jeunes comme si ils rentrent dans la corruption tout le long, ou bien rentrer dans toute la vie de la non. Jeunes qui ont non seulement capacité, mais qui capotent dans le secteur. Petit monsieur, vous pouvez dire ministère. Petit monsieur, vous pouvez dire. Parce que je dis que mon secteur dans le CPA là qui dit il a qui s'en va toujours. Et vous pouvez décider qui est-ce qui mettez pour mettre mon là-dedans. Donc, je vais essayer de garder ça. C'est une cabane de groupe, mais il y a une cabane de groupe.
Bon, C'est PM Koni avec. Mais c'est son jeune, il a le mettre ou c'est yo qui t'a le bailler. Yo dit son jeune, mais pas forcément yo. Pas forcément yo. Bon, en pile fois alors parler avec gaffe politique ici papa. C'est ça le pas là pourquoi. Mais yo dit soit son jeune qui sorti dans secteur qui ou ouais. Mais comme il y a là ça nèg yo pas comprendre, là on cap un piège. Bon, pas quelques parties qui ont des jeunes tout. Je vais vous donner un exemple qui est probablement, il y a même qui, dans le regroupement, ça, ok, côté c'est l'Observatoire de la jeunesse qui a pris là. Quand il y a des gens qui sont dans le temps, qui sont dans l'autre parti politique. Comme ça, tout, quand il y a des jeunes qui ne sont pas dans le temps, mais qui sont dans l'autre secteur. Par exemple, Montana a des jeunes. Et des jeunes. Oui. Et des chars, des jeunes. Et qui partit encore? La malade des jeunes? Pas des commissions. Non, non, c'est des jeunes. Et monsieur d'Apolitif, le janvier, au pays, elle est unie. Bon, unie, on est unie, grand-père de jeunes. Unie dans le collectif là. Par contre, on est là, est-ce que pas mal bon conflit? Puisque vous-même, vous êtes organisé, vous dites, support de Goni, vous pensez que si vous avez des bacs à faire pour faire de jeunes yo un pilier important dans le gouvernement Goni là, yo ta doué partie prenante. Donc si je dis à yo estime yo cadre yo au profit de l'autre jeune qui pas dans mitan yo, donc est-ce que ça va créer frustration? En tout cas le bas qui gagne hier conseil la guerrier discuter autour de moun y a voyé pour 9 ministères par yo, pas oublier c'est 13 ministères. Gagné 4 avec fusion avec Jumelage pour M. Goni et son équipe, et puis gagné 9 pour M. Dame Secteur. La discussion est faite autour de noms qui pourront aller dans le ministère choisi dans le niveau CPTA. Mais vous voyez, comment tu as fait guerrier? Ce n'est pas juste, il dit secteur ça est beau, secteur ça est beau, secteur ça est beau, et puis il y a un monde. Non? Ça veut dire. Ou même, il y a un seul qui doit son conseiller président, c'est que vous avez un droit de ministère santé, et puis, vous voyez deux noms. Ces deux noms qui vont passer au vote en dans le conseil présidentiel. C'est le conseil à faire pour chaque groupe. Okay. Donc, il y a voté entre eux, donc c'est mon qui veut voter pour le ministère qui va passer. Ou même quand il y a qui a un candidat pour tel ministère, il faut chercher mon qui peut voter pour lui. Bah, on va prendre une démarche là. En dans le conseil là. En dans le conseil là. Ils ont fait pour eux, depuis qu'ils ont choisi le monde qui est ministre pour eux, c'est fini. Donc, pas d'objection pour voter la primature. Mais qui est différent, nous t'expliquer ça hier. Pour le ministère de la Goni, il faut qu'on y voie trois noms. Et je crois qu'on y voie, si les données ne sont pas changées, prenez engagement, vous voyez trois noms aujourd'hui. Okay. Et c'est dans trois noms, monsieur, dame conseil, pour gagner pour choisir, il pour chaque ministère. Que qu'on y choisit qui décide de gagner. Mais on y a là qu'on volait. Par exemple, mon ami qui proche conseil là, par la velière, qui dit non, bon problème CV, qui dit n'a voué non, là, par contre, qui savait étudier, qui y a soué. Comme dit sans CV? Sans CV. Ah, ben, sans joué. Ah. Il y a deux nègres, des secteurs où il y a un ministre là, il n'y a pas même aucune note de présentation pour eux. Pour qu'on ait qui est sûr, qui ça y fait, qui explique sûr. Ouais, et CV, parce que par mon CV, c'est simple comme ça, non? Ça va venir dans un document. Document, ah, oui. Papier, on est imprimé, non? Ah, bah, on m'a dit, non. Il va certificat, attestation, tout ça, qui a prouvé ça que ma CV. Il y a deux secteurs qui voyaient deux monde pour le ministre, hier, dans la discussion, qui sans CV. Oh. Et là, on dit, nest comme ça, faut au moins nous connaissons qui est-ce, nous, on a fait qui est-ce qui va. Par contre, vous voyez, les politiques, mon cher, je ne sais pas ça. On dit, mettez-moi là, déposez-moi là. Mettez le ministre. Son jouet. Et là, nous pensons, monsieur, dame, conseiller, président, ils vont devoir de responsabilité. Parce que, faut au moins, je dis, nous avons place à la méritocratie. Donc, faut au moins, devenir ministre dans la conjoncture, ça. C'est vrai, avec la décision qu'on a là, nous sommes capables de dire, bon pas, pour ce n'est pas des politiciens purs. Qui vient chef dans le ministère, mais parallèlement tout, si son monde vient là, il faut qu'il y ait capacité à guerrier.
Oui, normalement. Il faut une capacité. Il faut une capacité, il faut un minimum d'expérience. Il ne faut pas demander pour 20 ans, il y a un jeune garçon qui a un minimum d'expérience. Mais minimum expérience en folgain parce que nous avons une situation de crise. Bien sûr. Nous avons une situation de crise. Nous allons tâtonner, nous allons attendre. Il y a une urgence. C'est clair. Comme vous pensez, je vais prendre un ministère de la Santé, par exemple, qui n'a pas même diplômé dans la médecine, ou bien qui vient faire tout le temps la médecine, qui n'a pas même papier, voir où il a une expérience dans le secteur. Mais si vous prenez un ça, vous ne pouvez pas même dire mettre le ministre, mais le directeur général. Il y a deux seuls. Ça a pas de frustration dans le secteur. Et puis ça peut être terrible toujours. Directeur général, là, son job technique. Technique? Demandez pourquoi on est qu'on ministère. Parce que vous avez tout problème avec l'OEA du milieu jeudi. Mais soit après place, il faut que son monde comme si il y a capacité. Avec l'OEA du milieu, c'est pas bon. Ouais, t'as besoin là. Soit pour compétence, c'est la capacité. Mais c'est même, soit mettre un ministre dans le secteur, mes amis. Faut que son monde. Parce que faut que je parle de faire mon regard en bas. Vous dites, mon monsieur, ça, c'est des autres, je viens de faire. Vous comprenez? C'est place sur tes besoins, par rapport pour pas venir de l'extérieur. Parce que y a des types de monde où vous mettez dans l'institution, vous avez dit, non, ça va pas loin. Mais vous avez loin. Vous avez mettre des monde qui ont contrôlé. Parce que vous avez dit, ça, sous trois comptes libres, vous n'avez pas de contrôle. Ok? Sous trois comptes libres, vous n'avez pas de contrôle. Il n'y a pas de jouer avant. Parce que, vous savez, il y a des sous-trois comptes libres. Donc, il n'y a pas de prendre chance avant parce que tu es là, ou quand vous avez des affaires, vous changez sur vous. Les affaires, vous voulez mettre un vieil gars là, qui vous avez fait à gauche. À gauche, vous avez fait à droite. À droite. Même dans le parti, autour du parti politique. C'est comme ça. Il était bon. Il va blaguer tout le bail dans mon. Alors prend leadership là dans mayo. Donc bon passé me lancer on voit pinga ça bay monsieur dame CPT yo parce que yo dit nous hier des problèmes comme ça poser dans conseil là problème CV des monde qui veulent ministre même côté l'école pas connaît. Basé faut nèg yo capitaliser sur ça faut qu'yo prend soin yo pour yo analyser dossier yo parce que m'a bien prendre là pour Suzanne là. Je vais prendre un regard dans série de ministères là. Et puis, l'un pense que c'est un outsider ou bien un monde vraiment qui n'a rien pour eux avec un secteur politique. Pourtant, son regard est là. Et puis, il y a un monde qui a été téléguidé. Son coup de pétrole, il y là. Il y a un monde dans l'ombre qui a tiré ficelle. Si vous êtes pour venir ministre là, pour occuper des fonctions importantes dans la situation là, il faut être capable. Capable. Nous clair sur ça. Et capable à vous dire qui ça. Il faut un bon background en académie. Même si il faut un minimum d'expérience. Nous n'avons pas de problème que 40 ans, que 40 ans, que 50 ans. Au contraire, si mon jeune qui a une expérience, qui est là depuis le qualifié, vous lui. Bon. Mais pas parce que ou son jeune ou ses amis, un tel, ou bien ou un tel qui est proche, un tel, non. Équipe primature là, ou bien dans l'équipe présidentielle, pour penser que ça arrive de droit, faut que vous ministre, faut que vous directeur général, faut que vous ceci, faut que vous là. Non! Et ça fait même bien content, sous garde de nègre qui m'a reconnu, même si, nous avons questionné de l'autre bagaille, mais pas qu'à reprocher de nègre qui m'a un niveau. Nous avons parlé là de Madeleine Fizemi, mais nous avons dit qu'il n'y a ni un pète ni un pète. Mais nous avons regardé ces vieux monsieur là, nous avons un très bon rapport. Je ne parle pas de ça pour Camille Edouard Junior. Il y a de l'autre monde qui est dans l'équipe là, je ne vais citer. Et bien, sur qui base, on y a là, où nous venons diriger, et puis, autant d'un ministre, on forme ministre, il n'y a pas aucun diplôme. Vous comprenez? Ou bien tout, étant donné que le défend études, c'est dans le bouche de ça, il n'y a aucune expérience, aucune bagaille. Et puis, il y a le ministre, une conjoncture exceptionnelle. Ce n'est pas le job qui va l'apprendre. C'est le résultat du bail au plus vite. Donc, de là, tirer attention. Monsieur Dame CPO, nous connaissons qu'après poursuivre avec l'exercice ça, il a poursuivre CV, monde qui a gagné, pour monde qui pressenti pour diriger une série de ministères. Je pense que c'est ça en gros. Donc une réunion qui prévoit matin hein, entre Gary Conin, s'il pas fait matin, il a fait la journée quand même, et CPTA, il a dû finaliser tout le bagage. Et il me dit si tout le bagage passait bien, même si moi-même j'ai pile doute, si tout le bagage passait bien. Pendant la journée, même si c'est dans la nuit, du vendredi au samedi, le pays a reconnu qui est dans le nouveau cabinet ministériel.
à moins que nous continuions avec la question dilatoire, nous avons parlé là au début, à moins que nous continuions avec la question et matraquage avec l'autre vieille pratique ou habitude de gagner, les ap négocier pouvoir, les ap négocier en série de postes, les ap négocier en série de ministères. Mais sinon, nous avons appelé Gary Conning à toute CPTA. Il n'y a pas tout le temps devant et il n'y a pas forcément mettre du temps à vous passer là. Parce que je vous dis, il y a urgence. Il n'y a pas besoin de lunettes sous sortir dans la rue pour avoir urgence. Donc si Gary rentre dans la logique tâtonnement, rentre dans la logique improvisation, rentre dans la logique perte du temps, même avec prédécesseur, je ne vais pas mentir, il est capable fatal pour le pays d'une façon générale, encore moins pour les mêmes. Et pour une deuxième fois, il y a bien l'histoire de possibilité pour la ville dans la poubelle. Bonjour tout le monde. Bonjour Johnny, bonjour tout le monde. N'a pas toujours été dans le même sujet. Ça, tout à l'heure, après, vient pour nous parler avec Jacques Adler Jean-Pierre, même nous parler avec Maître Jacques Auxilius, qui lui-même t'a voulu époter un éclaircissement hein, par rapport à débat nous t'a fait là sur aux questions. Et Premier ministre Gary Conning avec l'équipe provisoire. Donc, est-ce que nouveau PM Nord est capable d'organiser un conseil de gouvernement avec ministre démissionnaire? Est-ce que l'IT est capable de tout gagner droit de signature pour commencer à engager l'État? Maître Jacques-Mère, bonjour. Okay, bonjour, Guerrier. Bonjour, Tony Ferdinand. Bonjour, Madame Badjani. Bonjour, tout staff Adjoua. Et bonjour, PM. Rapidement, alors, je n'ai pas maintenant d'analyse, comme d'habitude. Étant donné que n'a pas les aujourd'hui de état de droit, état de droit, état de droit, et une branche de droit public qui régit fonctionnement gouvernement, c'est le droit administratif. On nous garde un bagage qui est simple que tout le monde comprenne l'émission en la matière. Le Premier ministre vient d'être nommé. Pas vrai? Il est nommé, mais politique de l'ordre, ça veut dire qu'il est nommé pendant que il y a un gouvernement démissionnaire. Ça veut dire qu'il peut râler et puis lui-même pour rentrer avec l'équipe. Mais non seulement il y a un ordre du droit administratif, mais premièrement, PM qui est nommé à. Mais mes amis, il n'y a pas d'autorité sous gouvernement démissionnaire que nous prenons. Ça veut dire tout à fait un conseil de gouvernement avec eux. Qui est-ce qu'on a qu'à gagner le droit de convocation? Si Gary Conning émet une note, il dit que le convoquer le gouvernement, mais vous croyez que le ministre démissionnaire a dit, mais mes amis, côté nous y est. Donc ça, c'est au premier aspect de question. Hein. C'est-à-dire, au regard du droit administratif, le PM qui vient d'être nommé, en fait, il n'y a pas qu'à gagner le conseil, il n'y a pas qu'à, en tout cas, il n'y a pas qu'à gagner le conseil de gouvernement avec le gouvernement démissionnaire lui-même. Maintenant, deuxième aspect question, c'est que, gouvernement cap acté qu'on y a, cap travail qu'on y a, en tout cas, pour payer, nous espérons ça, c'est le gouvernement qui est présidé par le Premier ministre haï, Joseph Jout. Est-ce qu'il y a compté jour ou pas connaît. Mais maintenant, si pour tenir, organiser une séance de conseil de gouvernement, ben, il ne peut s'agir que du gouvernement démissionnaire. Donc, en sorte que presque pour me répéter en d'autres termes, le Premier ministre, en fait, qui vient d'être nommé, en parlant de Gary Conning, il ne peut pas, au regard du droit administratif, organiser des séances de conseil de gouvernement avec le gouvernement démissionnaire. Sauf que, comme on a parlé, même son grand expert en politique, Ferdinand, et le grand analyste, sauf que, faire un conseil de gouvernement avec le gouvernement démissionnaire, d'abord, la population a interprété. Merci, Dieu seul. Voilà, donc, on ne peut pas souhaiter être trop, merci un peu, mais Jacques Auxilius pour ces précisions. Ça, nous, préalablement.
son précision de droit administratif, parce que nous ne sommes fait comme faire avec nous, non seulement c'est l'analyse que nous sommes fait avant, mais c'est du fait que tout, alors dans la bouche nous tendons, nous dit, et le pape dit c'est pas quelque chose de rare dans le pays, non, mais nous tendons, nous dit nous-mêmes, peut-être avec d'autres voix qui parlent plus, nous tendons nous parler que la chose politique, la chose publique, en tout cas, lui, parfait pour nous qui se dit de nulle part. Nous pensons que le pays a content ça avec nous, parce que nous sommes un monde qui dit, ou même faut que nous, bah, on dit ça, nous, mais nous pas dit moi, on dit, ou même faut que nous, et lui avait dit que, académiquement parlant ou préparé, ou capable d'appréhender une question, parce que les questions politiques, c'est des questions qui sont sensibles, mais c'est des questions qui coriaces, qui demandent de bons raisonnements, que tu es habitué à faire déjà dans l'autre domaine. Donc, on entendait vous dire que les faits pour le monde qui connaît lui, dans ce pays a pas apprécié ça. Et s'il arrive à appliquer, pays à ce pays qui a bénéficié. Alors, on parle de lui, tous les rangs, bagages, faire papier, mais en fait aussi de l'expérience pour mettre au service de la nation. Vous savez, ce même de dit dans les médias que, en fait, tout bagay n'est pas obligé politique, mes amis. Mais politique intéressée à tout bagay, si vous pensez que, comme paraphrasé de Machiavel. Ouais. Tout bagay n'est pas obligé politique, mais politique intéressée à tout bagay. Je dis, hein, et c'est ça que je vous dis, bien placé pour me dire ça parce que je suis professeur. Moi, dis-nous déjà que le pays a gaspillé trop de monde déjà, trop de techniciens, trop de monde qui était qu'à exceller dans une série de domaines. Et ce pays a perdu. Non. Tout le monde fait le fait, tel bagaille donné. On a là, on a gaspillé nos ressources. Alors, ça vient de faire qui ça? Ça vient de faire que l'on parle de monde qui prépare, ou parle de monde qui compétent, ou de monde qui conduit, mais on dit monde qui a expérience, ou de monde qui connaît les lignes, tout, qui pourra toucher questions sensibles à eux. Moi, pensez que, au seul fait de me dire, ou aider CFTA, ben, ou aider le Premier ministre aussi. Disons que, pour le restant, n'est-ce pas, qui parle sur CFTA, gouvernement ça, et le reste, en entrée Haïti, dans la sphère des hommes politiques. On dit des hommes parce que Mitterrand dit, et pas Mitterrand, non, et Jacques dit, ma femme est un homme politique. Bon, bref, alors, comprenez. Ma mère dit des femmes. Mais on baille des équipes pour nous dire à qui veut l'entendre, qui veut le comprendre, pour le message que nous devons toujours. Merci, merci. Et Jacques, je partage ça avant, c'est mettre Manikilus qui dit que nous avons besoin de monde qui est compétent. Compétence, pas veut dire monde qui a une grosse connaissance seulement. Parce que compétence, c'est connaissance plus expérience qui va aider. Le monde qui fait gros études, pas suffit pour dire compétent. Il doit gagner connaissance et expérience. Par contre, d'accord. Bon, et tout pour l'occasion pour me saluer mon ancien étudiant avec Manikilus. Qui pas des moindres, hein? Bon, écoutez, là, nous pas besoin d'entrer dans un débat sur ça. Et en quelque sorte, nous censés dire même bagaille. Mais écoutez, compétence, on dit pas vrai, dit moun qui est l'inoboli, qui a un gros diplôme, etc. Maintenant, en dessous de ça, Marie, quelqu'un doit faire première bagaille là pour définir compétence. Là. Mais moi-même, non seulement que nous pas dit ça, mais ma parole où, même Jean-Jacques Ferdinand Tatadili, et peut-être qu'il te dit en d'autres termes, comment pourrait, m'a dit moi-même, m'a dit au prince Jacques Mertibus, qui n'a jamais connu exactement dans la question de sécurité qui sont questions sensibles. On dit bon, quand ça passe, bon, Jacques là, ou là, ou Abdelhaj, ou là, c'est où qui dit la police là, ou de vous ou faire qu'on connaît. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais non, et sécurité a, en tant que domaine politique qui est important pour nous dans la corruption, hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais ou pas, t'as besoin, faut que c'est ça, vous prenez.
Ça, son piège lié dans la gouvernance. Pour qui ça, c'est piège lié dans la gouvernance? Il y a une série de domaines. Et pour ne pas dire tout domaine, il y a une série de domaines qui demandent d'abord pour abaisser, pour qu'on quitte pied devant, d'abord, avant de s'entourer de techniciens, de conseillers et de tout le tralala. Bon, surtout, nous disons, on a dit, puis d'armes étaient trop chers pour budget à papa. Donc, on pas connaître. Donc, en sorte que, j'ai l'impression qu'elle a dit même bagaille ensemble avec moi. Maintenant, des compétences, gagner expérience. Gagner toute capacité d'appréhender les problèmes avec capacité d'appréhender les problèmes. Bref, nous pas besoin de mettre un faux débat dans la société qui connaît, qui pas connaît. C'est du tout pas ça qui n'a pas besoin. Ce qui est tout simple que nous poser, nous dit que faut nous pas quelques questions politiques aussi qui plus facile comme quoi. Tout le monde est capable de rentrer là-dedans. Nous avons déjà dit, déjà manié qu'elle, et nous avons parlé ça ensemble avant, personnellement, nous avons dans la faculté. Nous dit que, regardez des ressources que le pays a perdu, parce que tout simplement, tout le monde croit que c'est baccalauréat pour le faire, même s'il fait 3 ans, 4 ans, et tout. Tout le monde croit que c'est philo pour le faire, même s'il bagaille. Tout le monde croit que c'est tel domaine, dans le domaine scientifique pour le faire. Pense que bon, eh bien, faut arriver, etc., dans tel niveau. Alors que ces pays, on m'a répété que nous fait perdu, parce que il nous manque des techniciens. Je ne dis pas maintenant, parce que, bon, et bon, vous dites que vous êtes mon frère sur la joie. Que des gens qui sont capables d'exceller, nous dit dans un domaine. Nous capables de prendre le domaine de la politique. Nous capables de prendre le domaine de la politique. Tout le monde leader politique, tout le monde c'est député pour y aller dans le Parlement, tout le monde c'est sénateur pour y aller pour aller dans le Sénat. Mais arrêtons. Construisons un pays pour apprendre, encourager les gens, rester dans le domaine que nous avons utile, peut-être nos familles, et nous avons utile société, nous avons utile pays. On a dit ajouter plus bien. Et deuxièmement, question sensible et coriace ça, moun qui connaît réfléchi académiquement parlant dans des domaines comme ça. Moun qui connaît réfléchi, c'est-à-dire pratiquement parlant, dans domaine ça. Là, je parle de l'expérience dont a parlé mon très cher ami et frère. Bref, on résille nos guerriers, on résille nos Madjani, on résille nos Ferdinand. Ayons la volonté, ayons le vouloir. Construire un pays. Et occasion offerte à nous encore, mes amis, dans ce qui reste de cette tradition. Je vous dis merci. Merci un pile, Maître Jacquemin Auxilius. Auxilius, on lapsus, il te voulait parler de PMAI Bois Vert. Il y a des joutes. D'accord. Merci Ferdinand. Merci. Bonne journée, bonne émission. Bonne journée à vous aussi. Nous avons parlé avec Maître Jacquemin Auxilius qui lui-même t'a fait un point par rapport avec ça qui est arrivé entre équipe Galconi là avec équipe actuelle Primature là. On a parlé là de équipe Michel Patrick Boisvert là. On a mis qui font appel assez intéressant. Il y a une pensée qui l'étape est vraiment injuste. Une bataille pas souligner là pour les amis auditeurs. Il expliquait, et on a discuté ça avec lui, il expliquait que bon façon il était capable d'installer Galconi avec gouvernement qui l'a ou bien ministre qui l'a. C'est si Michel Patrick Boisvert, j'explique le comme ça, Michel Patrick Bidim, ça fait déjà avec. Comment il s'appelait? Onismat. Onismat, ça fait un bon temps. Là, c'est sous Préval. Jacques Edouard Alexis. Alexis. Oui, il disait si Boisvert n'a pas de vérité, il dit qu'il doit décider par vérité. Il dit, bon, une fois on nomme premier ministre, ça va intéresser encore pour le comme premier ministre pour liquider les affaires pour moi. Donc ça, il doit intéresser.
Le Guinéen a dit, bon, comme le Guinéen a nommé, le Guinéen a fait un forcing. Et exceptionnellement, il a installé et puis il a fait le servir avec le ministre en temps limité en attendant que le cabinet ministériel a monté. Mais ça peut être Zamira, ce n'est pas même conjoncture, ce n'est pas même réalité, ce n'est pas même bataille pour pouvoir. Ce n'est pas vous dire son présidence normale. Vous comprenez? Son transition côté mon à battre avec le monde, côté chaque monde qui a fait par eux, côté tout le monde voulait contrôler le gouvernement avec un présidence neuf têtes. Vous comprenez? Donc, les configurations, pas même. Mais il y a parlé autour de bataille qui gagne entre Koni avec CPA. Bon, je ne dis pas CPA en soi, parce que nous autres, ça je vais répéter. Il y a des conseillers présidents qui ont de très bons rapports avec Koni, mais il y a des secteurs tout, qui ne parlent pas des matchs Koni, là, parce que combat et tout. Le conseil a dit qu'il est au courant de un plan. Que proche Koni yo te dit yo pral appliquer depuis yo ta fin installé c'est yo pral imposer gouvernement et puis yo dit comme yo pa vle dormir dehors y a tout fon façon pour limiter la que ça la soit faite après tout en tête fin joine sous comment gouvernement va monter sans gouvernement sans nouveau cabinet ministériel pas d'installation. OK. Bon, comme noté les textes manéquels Régulus, là, il est quand même pour... Bon, 2 minutes de précision, Maître Régulus, bonjour. Bonjour, Garrier, bonjour, Johnny, bonjour, et à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, tout le monde qui est branché, et journal la matin, mon ouanament, et qui t'aime saluer, donc en mettant Auxilus, donc ancien professeur, moi, et qui saute pas aller là, alors je voulais rapidement et dire mettre Auxilus que moi pas gagne rien comme désaccord ensemble avec Salsoudian et sauf que lui-même lui détailler et ça me Salsoudian et moi même clair et sous ça et compétence c'est deux bagailles qui balle il gagne deux éléments constitutifs. C'est d'abord qui ça ou gagner comme connaissance dans un domaine donné et ensuite qui ça ou fait comme expérience en la donne tout et c'est ça qui fait même le wap et comment t'as capable de dire ça après acquisition de connaissance là il est toujours important que vous faites même ça ou les observations actives ça veut dire donc ça même wap fait acquisition comme connaissance là. Donc, ou même, ou, et à participer là-dedans, faire des recherches là-dedans, pour permettre au moins, donc, ou qu'on est là. Maintenant, il n'est pas suffi pour tout simplement au monde, parce que tout simplement, ou gagner, donc, un bon diplôme, oui, effectivement, nous besoin ça. C'est important. On a tout, lui gagner, donc, une expérience en un domaine là, parce que, connaissance là et expérience là yo complémentaire pour ba ou ça nous remet compétence là et parce que moi même nan expérience pas moi nan fondement ensemble avec des moun ou qu'on rencontre des moun qui gagne des gros connaissances qui pays en reconnaître donc yo gagne des gros connaissances mais cependant qui rivé en pile fois ministre mais qui pas vraiment comprendre qui ouais bagay yo tête en bas qui ouais bagay yo noir parce que nous même en réquisition on n'a pas de jambes passé qu'un côté, soit comme chef de service qu'un côté, soit dans l'administration publique là, pour lui-même faire une réquisition. Et on n'a qu'un ministre, on a un dossier dans la finance. Il faut quelqu'un par mais qui procède pour la prendre un visa préalable. Il n'est pas même comprendre de qui ça va parler. Et si au moins docteur lui demande de contact délégué lui, à qui nous veut tel dossier dans la finance, je dis le dossier à écouter lui dans l'étape 40, dans l'étape 45, il n'est pas même vraiment connaître docteur de qui ça va parler. Donc ça veut dire que dans le moment où nous sommes là, dans la crise pays a traversé là, nous besoin docteur de monde qui gagne connaissance approfondie avec connaissance qui gagne expérience parce que trop souvent nous on a fait avec un paquet d'essayistes de monde qui vient essayer qui effectivement gagne connaissance mais en pile fois qui manque expérience et qui en pile fois
misé donc ou même qu'on a posé cette question aux mes amis, mais on monde comme ça par rapport à ça nous connaît donc en ligue comme connaissance, comment c'est là il pas capable d'avoir résultat? C'est parce que tout simplement nous là donc l'irisé pratiquement tout en bas donc en boîte là il va la droit d'ailleurs. Même sa ligue comme consultant, faut quelque part ligue au minimum de connaissances de espace la diriger pour lui capable absorber donc un style balé comme consultation. Donc, on pas dit un yé qui différent de Maître Jacquemin et sinon qui lui-même lui détaille. Mais nous-mêmes, nous toujours été croyés, compétence là, c'est connaissance, plus expérience. D'ailleurs, me songe, m'te gagne yon ami, et qui est même sorti en France, qui était venu, alors c'était dans DGI, et puis il y a un poste, donc en Yobali, il y a la donne, mais monsieur Dio, yon moun qui montre une prestation, moun qui doit une autre, il lui estime que lui pas vraiment comprendre rien dans rien et c'est nous là donc qui nous trouver le bois là. Donc je dis fais appel à des gens qui ont des connaissances pour moi de cette expérience de la personne de pays côté donc gang la valorise quand je analyse donc à l'école de pays côté finalement intelligence là donc il y a pas à y compter Cocotelé qui permet au moins, c'est comme tout le monde qui connaît presque tout de bonjour dans le pays. Maintenant, chercher le monde qui a des connaissances pour nous, même donc, c'est vraiment important, mais sans pas chercher seulement pour chercher des gens qui ont des connaissances et expériences pour au moins, donc, nous avons des résultats dans le chercher. Sinon, au moins, nous avons attendu une première demain, si Dieu veut nous avoir des gens qui parlent là avec gros connaissances. Et nous allons questionner, nous allons dire, mais finalement, pour ce problème manger, parce que mon vie là, donc elle n'a pas eu comme résultat, parce que donc elle est venue diriger un bois qui, en réalité, n'est pas connu absolument rien, donc elle n'a pas plein, et c'est ça qu'il faut qu'on vienne de qui vient là comme ministre. Il n'y a pas même problème que le ministère, donc elle est là pour appliquer nos politiques publiques et en matière de, comment dirais-je, portefeuille, donc en ministère. Par exemple, un monde qui est venu là comme ministre en jeunesse et sport et action civique, il n'est pas connaît donc vraiment c'est des politiques publiques donc, en matière de jeunesse, politiques publiques en matière de sport et de l'action civique, et la mise en et lui-même, il fait donc une sorte de diagnostic donc, de ce qu'il y a pour lui élaborer des politiques publiques. Qui fait des actions coordonnées pour résoudre nos problèmes dans ce théâtre déterminé et chaque monde n'appelle pas venir à poser des actions isolées et qui mettent nous côté nous aujourd'hui. Régulus, on est content en fait ces choses-là avec vous au matin. Il gagne toute importance parce que je ne dis pas depuis hier, gagne des mots qui t'a doué. Vini, ministre, dans le prochain cabinet ministériel là, dans la cité. Eh bien, CVO à l'étude au niveau du Conseil présidentiel de transition, parce que nous parlons avec un proche conseil là, donc l'opération ça va poursuivre, je dis, parce que il y a des guerriers, ils ont voué au premier ministre, ils n'ont pas gagné ni référence, ni lecture, ni écriture. Au moment, donc nous-mêmes, nous parlons, dis, c'est. Tel monde ou pas tel monde pour y bailler, mais nous inscrivons dans le démarche ça, on monde la conjoncture ça qui vient dans un poste de responsabilité. Il faut gagner non seulement qualification pour le job là, mais il faut gagner expérience là. Maman dit qu'il faut faire carrière, il faut faire 20 ans, 30 ans. Oui, oui. Et bien ça dit. Un minimum. Et pour le monde qui a parlé de jeunes, il y a un jeune là, nous avons compétent, qui a un minimum d'expérience là. Oui. Pour moi, il y a des jeunes qui ont eu des boîtes là qui font. Vous comprenez? Je ne vais pas citer pour mon bas. Même si la compétence est yon, tout ça n'a pas dit c'est yon, mais les résultats sont l'autre. Et je vous dis, ce n'est pas seulement capitaliser sur qualification, sur compétence, sur connaissance, n'importe quoi, j'en veux formule là. Mais les résultats comptent tout. Oui. Mais nous-mêmes, nous pour un principe de base, quel que soit le monde qui vient dans la conjoncture là, c'est pas le monde qui vient improviser, qui vient tâtonner. Oui.
faut que son monde qui expérimenté, faut que son monde qui qualifié, faut que son monde qui gagne compétence, faut que son monde qui gagne monde en besoin. Et qui va nous répéter. Mais nous lancer. Merci Maître Dominique Noël Gomba, il dit qui est intéressant tout parce que tout ça n'a dit là c'est important. Mais parallèlement, si vous avez tout connu, ça a un rôle lié. Il n'y a pas de gêne, vous l'avez fait 9 tournées, 6, 0 tournées, 9 guerriers du seul. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas aucune volonté, il n'y a pas de l'homme au pays. Si on a vu la police, il faut que nous ayons une décision pour aller. Il faut que nous ayons une décision. Il faut que nous ayons une décision. Il n'y a pas de qualifié, il n'y a pas de tout diplôme qui est sur la TV. Il fait toute étude qui est sur la TV. Et puis, il n'y a pas de c'est déchapier, venir déchapier, pour accomplir le but d'aller, ou bien venir faire un groupe plaisir, venir faire un secteur plaisir. Donc, parce qu'il faut une veille ça tout. Yeah. Donc, nous, pour connaissance là, nous, pour expérience là, nous, pour qualification là, nous, pour bel diplôme, nous, pour mon dire éthique, pour mon dire volonté, pour mon dire même veille. Ouais, c'est clair. Mm-hmm. C'est clair. Eh bien, nous allons rejoindre citoyens. Nous allons rejoindre Jacques Adler, Jean-Pierre, qui lui-même a souhaité faire une intervention, Johnny, par rapport à Andy jumelage qui a fait un tas de ministères avec on l'autre quoi ministère culture qui à communication qui t'a doué fait un seul c'est ça avec ministère éducation nationale selon ça nous gagnons comme information mais où t'es pour ton précision tout à l'heure Johnny donc c'est pas éliminé à éliminer ministère ok mais a gagné. Il n'y a seulement pas de bon ministre dans la tête. Voilà. Donc, pas de bon ministre culture communication, mais tout ça qui vient comme système administration a toujours, toujours là. L'opération, les secrétariats, probablement, car toujours mon directeur général, ministère culture communication, pourquoi pas? Oui, oui, oui. On dit à bien secrétaire d'État. Oui, on connaît. Jacques Adler, Jean-Pierre, puisque c'est secteur lié. Comme écrivain, artiste, l'été voulu intervenir sur ça. Bonjour Jacques. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, à moi là, camarade Joe, et tous les amis qui ont écouté la joie, nous saluons, nous mettons les chapeaux bien bas matin pour me saluer. Non? Alors, sous dernière décision, Premier ministre Gary Conille, lui-même, t'apprend. Pour les malhommes bien content, c'est pas supprimé, il a supprimé le ministère, c'est peut-être un greffe qu'a fait. Même parce que c'est peut-être une légèreté pour considérer dans la démarche ministre, premier ministre là. Puisque l'un qu'on est valeur qui gagne dans le pays, ça, dans le domaine culturel pour protéger. Je suis pas sûr que greffier ministère de la culture avec l'autre ministère, on va créer ou pas le créer une négligence sous ce texte. Alors, ça crée, c'est que la nouvelle Salem Prel, pour moi, m'a suscité de très vives inquiétudes et un profond désaccord. Moi-même, j'ai un désaccord carrément avec lui que je dois exprimer. En tant que citoyen engagé et fervent défenseur de notre patrimoine culturel, je ne peux que m'opposer fermement à cette mesure. Parce que... là au PM, mais Gary Conille, l'audit ou après greffier ou en parenthèse, entre guillemets, peut-être que il n'a pas dit ça, bah là, il y a exactement, il va peut-être prendre, chercher un bouc émissaire pour mener le travail. On me dit, là, on fait ça, c'est pas une question d'économie budgétaire ou à protéger. C'est un à l'âme même de cette nation avilie au quotidien. La culture est tout le monde compte ça, Mbaldia. La culture en pays, c'est miroir côté au capable bail société à possibilité pour le contempler histoire valeur li avec aspiration li. Et c'est ça, c'est une c'est
c'est élément fondamental pour moi-même qui unit toute génération qui passe yo et génération jodien avec génération qui est pour venir. Donc, en supprimant le ministère de la Culture ou en greffant ce ministère à un autre ministère, à mon sens, c'est un affaiblissement. C'est un affaiblissement à porter et souligner ministère ça a gagné avec une quantité de bail fondamental que nous-mêmes nous devons protéger comme société à part, comme nation à part et qui différencie nous par rapport à l'autre nation. Nous comptons ça bien, même nous comptons ça plus bien parce que même pour mieux détruire un pays, il est essentiel de s'attaquer en premier lieu à sa culture et à son identité. La culture d'une nation est le socle sur lequel reposent ses valeurs, ses traditions et son patrimoine. Donc, l'affaiblit culture d'un pays, c'est déstabiliser cohésion sociale. Et moi-même, je ne prends pas tête pour le monde qui peut maîtriser la culture, parce que moi-même, je crois que tout le monde, tout haïtien, doit bon regard sur la culture, parce que c'est ça qui fait le monde, c'est ça qui identifie comme un peuple différent sur la terre par rapport à le peuple. Donc, je pense au lieu que responsable politique, yo, ta soit mette en parenthèse, parce que je ne suis pas sûr que c'est un greffe comme ça que le fait de un ministère à tel autre ministère, parce que où est qui ministère choisi? Où est qui ministère choisi? Qui ça aurait le ministère régalien? Un ministère régalien, pour moi-même, c'est un ministère qui est transversal à la pratique culturelle, aux pratiques culturelles, artistiques et patrimonial d'un pays. C'est pas ministère qui a porté l'argent, c'est pas ministère qui prend plus l'argent, c'est pas ministère qui baille plus opportunités pour mon riche là qui régalien pour moi-même. Donc pour moi-même, ministère de la culture, c'est un ministère à protéger, à renforcer. C'est pas un ministère pour mettre sous côté. Donc je crois que je dis hein, et une nécessité pour monde, pour écrivain, pour créateur, pour des mondes qui fait belle dans le domaine de la culture, pour des mondes tout qui, même si c'est pas de richesse qu'il a cherché dans le secteur culturel là, mais qui connaît qui ça la culture représentée pour nous-mêmes comme peuple à part sur la terre, pour lever voix. C'est pas lever voix à l'un jour et des bails comme ça, mais faut dire que même nous avons des accords là, parce que l'aime quand même de courage pour me dire pas d'accord ensemble avec vous, c'est pas vous même besoin de vous mettre ensemble avec vous. Donc c'est point de vue comme citoyen m'a fait valoir par rapport à travail qu'on vient pour faire. Vous venez faire un travail, ou pas venez faire un travail peut-être pas où. Ou bien doit gonde ba en tête ou et ou dit tête ou bon et en a là mais faut qu'on gagne l'autre monde bon côté qui pour dire ah et premier ministre pas sûr que c'est là nda doit aller mais pour quelle raison laisse ça y a pour en plus au sérieux. Mais le par exemple nous garder on prend CPA par exemple ou pas jamais tendez youn nèg ça ouvri bouche pour dire qui ça va penser sur ça, sur type de décision ça, que le premier ministre l'a pris pour s'allier, il a protégé propre tête par yo, il a protégé petit job yo, il a protégé privilège yo. Devant la culture, devant pays, bagain pour me protéger propre tête pam, bagain pour me protéger privilège, d'ailleurs bagain qu'un privilège. On veut pour nous dire ça me penser. Alors ça me penser. La destruction de l'identité nationale mène à l'érosion de l'esprit critique et de la résistance face à l'oppression. Je veux dire, nous avons un pays qui est en bas d'oppression en toute qualité. Je veux dire, nous avons un pays que je dis, il faut que nous d'accord, il faut que nous rendons compte, nous sommes un pays qui prend le tomber
nous avons l'autre domination qui est plus raide que ça nous dégagne déjà. Je dis à nos bons pays qui prennent tomber en bas oppression plus raide que ça nous dégagne. C'est pour jouer de cap fait là. C'est pour jouer de cap fait là. Nous avons un pays qui finit détruit totalement. Et l'autre prend qu'il dit. D'ailleurs, bon m'expliquer nos bagages, monsieur. Si c'est pas là qu'il dit, son mal propre que le pays nous a gagné, c'est seulement dans le domaine qu'il tire. On a parlé de pays à deux biens, et l'arrivée dans l'autre espace à l'étranger, il a pris au sérieux seulement par rapport à la culture. Et là, je dis la culture, et mettez le sport là-dedans, parce que le sport fait partie. C'est la culture physique. C'est la culture. Le sport fait partie de la culture. Donc, pour nécessiter de gagner aujourd'hui dans le domaine éducationnel, pour nécessiter de gagner aujourd'hui dans le domaine touristique, même si vous apprenez un ministre là qui dit, vous dit, bon, il semblait à touriste, il est proche à responsabilité à touriste, vous avez fait un greffe avec lui. Mais tous les deux bagages, ça, tous les deux ministères, ça, c'est deux ministères pour te renforcer par rapport à la nécessité de gagner aujourd'hui, regardez ça qui a privé dans le nord aujourd'hui. C'est parce que, justement, bon, je suis d'accord ensemble avec vous, en série de réflexions, m'attendais, qui dit que, qui a posé la question, quel est le rôle du ministère de la Culture? Qui sa ministère a fait dans ce secteur? Mais, ça, nous avons besoin de connaître tout. Le ministère de la Culture, c'est un objet. Et ce n'est pas objet pour qu'on parle qui pourrait le faire, tout ça pour le faire. Prérogative ministère, ce n'est pas objet, c'est pas ministère en tant qu'objet qui pourrait le faire pour compte. C'est les gens qui sont placés à la tête de ce ministère qui doivent répondre aux besoins du secteur culturel haïtien. Donc moi-même, je crois que le problème, non, c'est pas ministère comme objet lié. C'est nous qui avons toujours choisi de mettre un ministère qui n'a pas fait rôle, qui ont d'altis vicieux là, pour la plupart là-dedans. Les OVNI, c'est voler OVNI volo, pour petit famille avec petit famille, ou bien petit clan politique, petit clan zomitaïo. Mais je crois que le ministère de la Culture, un jour, faut bon monde qui éclairé, qui vient dans tête gouvernement ça, qui pour bailler ministère ça valeur que le mérite, et choisir monde qui a capacité et qui est capable de gérer ministère ça pour relever la culture au plus haut niveau. Parce que trop souvent et trop longtemps, il a traité ministère ça en parent pauvre. Ben, ok, si c'est pour faire bagaille l'argent, qui l'argent, mes amis, ministère ça a boué? Qui l'argent ministère ça a boué pour dîner? C'est comme si Nadoula là pour faire c'est rationnel. Gouvernement ça tellement rationnel qui fait la pour retirer ministère ça pour le mettre en bas avant tout l'autre ministère. Combien comme 690 millions. Ce dernier budget nous connaît pour le ministère, 590 millions. Avec des trois petits chiffres derrière. En good. Donc, rends-moi fou sage. Par un bon prétexte, c'est une gestion rationnelle que nous avons besoin de faire dans le gouvernement. Qui fait, soit n'a pas éliminé ou bien n'a pas mis sous côté ou bien n'a pas greffé ministère à un autre ministère. Pour responsabilité comme qu'on est ministère, ça a gagné. D'ailleurs, m'a dit non, bagaille. Si nous, on est en pile dans nous, comme ça m'a dit là. Le ministère de la Culture et de la Communication, les gagnés, souvent, on ministère de la Culture pour qu'on parle. Les gagnés ont quantité, ils ont quantité d'organismes déconcentrés qui là pour faire travail. Qu'il est là. Là, yo ne va faire travail ça. Et pas grand qu'un responsable qui placé au plus haut niveau des structures politiques qui mande moun sa yo compte qui dit OK, bon, ou c'est directeur et telle institution depuis telle qui sont fait.
qui sont faits dans le ministère, dans mon rapport sur le travail, par rapport à besoin qu'on connaît, c'était ça à gagner. Donc, la Bibliothèque nationale qui l'a, pour jouer rôle, animation, culturelle avec l'esprit d'un pays. Ou de Radio et Télévision nationale d'Haïti qui l'a, qui est directeur général, qui a boué, qui a soucié, richesse, qui a soucié ressources pays, ressources secteur. Ou de la presse nationale d'Haïti. Ça a lui-même, ou de comme l'impression, c'est seulement pour publier, arrêter, présidentiel, des bagages officiels dans le journal officiel. Alors que, moi-même, comme jeune garçon, sous feu directeur et William Cédouard, moi, je vois que la presse nationale organisait des ventes au moins deux fois deux rentrées littéraires. C'est ce qui ça nous relève en rentrée littéraire. C'est une grande manifestation culturelle de l'esprit que l'on mettait à la disposition de populations hein, qui mettait livre en premier dans la vie mondiale, qui baille une possibilité pour que les enfants du pays, les jeunes, les écoliers, les étudiants puissent avoir accès aux livres. Tout pas là seulement pour publier si assez. Allô Jacques? Oui. Oui, n'a pas conclu parce que nous t'es pas au temps quand même pour être capable d'élaborer et seulement rappeler que même gens ou même ou quoi il est nécessaire pour défendre le ministère culture et communication par rapport à ça, ça représenter pour pays pour nom pays. Bon, il y a des mondes écologistes qui t'a aller pour faire même venir même argument ça pour ministère environnement. Hein? Parce que nous connaissons qui état environnement nous mais même avec plusieurs autres ministères, il y a des arguments que tu es capable de toujours bike, ministère tourisme, etc. Et donc, mais quand même, puisque ça fait débat, nous croyons que c'est important pour nous te permettre que vous bailliez argument par pour qui ça qu'on souhaitait et que le ministère culture a toujours été avec un ministre dans la tête. Li. N'a pas conclu, Jacques. Ok, merci, parce que vous permettez que moi à boucler et point de vue rapidement. Et guerrier du seul, nous sommes du même côté. Et moi-même, je suis un qui est tellement humble et ouvert. Je suis un jour, je parle ensemble avec moi, je dis mais qui ça me pensait de pays, mais qui ça me pensait de culture pays. Ou pas ouvert vous tendez même quoi je dis à ce moment nous c'est responsable faut que j'oreille ou faut qu'on cabe des oreilles à l'écoute de tout le monde pas garder sous côté monde sous secteur côté monde sorti parce que pour moi aujourd'hui guerrier et Johnny et l'autre madame non bateau au fin habitué avec lui, nous saluons tout, une belle petite voix. Je pense que c'est très 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 malheureux qu'en plein 21e siècle, que l'on ne considère pas la culture comme un vecteur de développement économique et social. Même Jean Leprend, l'autre ministère, comme des grands ministères qui ont généré l'argent, et bah, on est vous-même, bah, j'aime moi qui l'argent, qui ça l'autre ministère fait. Pas ce ministère là qu'il dit, mais pour redire encore, si c'est pas là qu'il dit, son mal propre pays nous a gagné, on zoboie un pays sans rien. C'est la culture qui met merci. À mon sens. Yeah. Non, Johnny, écoutez au moins cette phrase avant que je termine. Conclue, Jacques. Écoutez au moins cette phrase. À mon sens. C'est la culture qui met un peu d'esthétique à cette saloperie qui s'organise au quotidien en Haïti. Chaque jour, son dalbal qui tombe dans le bout d'amour, quel que soit quand on passe, c'est mal propre, c'est fatra, et quel que soit quand on passe dans notre pays étranger, il a parlé d'Haïti, il a parlé d'un trou caca.
si pas de ministre, si pas de la culture, si pas de créateur dans le pays, nous ne pouvons pas tout le temps marcher sur nous. Merci à Jacques. Du festival qu'a fait, de des mouns qui mettent deux pays en valeur, littéralement pays en valeur. D'accord, donc, je pense que, en conclusion, je m'oppose résolument à cette décision et appelle le Premier ministre Ali Kony à reconsidérer sa position. Mm-hmm. D'accord. Merci un peu. Merci un peu, Jean-Pierre. Concernant la formation du nouveau gouvernement, madame, monsieur, d'après ça nous lit sur le site Radio Télémétronome, qui vient renforcer, ça nous t'a dit et déjà depuis le commencement, introduction, journal la guerrier, liste ministre, t'a dû être week-end ça, d'après information et Métronome communiqué, nous-mêmes nous t'a dit. Et sauf cas de force majeure ou bien empêchement de dernière heure, donc nous avons gagné l'islam dans la nuit vendredi pour l'ouvrir samedi. Mm-hmm. Bon, maintenant, puis pris dans lui-même, maintenant, dit week-end ça. Le week-end, il doit vendredi, samedi, il doit dimanche. Cabinet a composé de 13 postes, nous t'ai expliqué ça déjà. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a fonctionné seul. Gagné ministère des Affaires étrangères et ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui a fonctionné seul. Ministère des Finances et de la Planification a fonctionné seul. Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, hein? C'est ça Jacques, tu as dénoncé, hein? Culture a fonctionné seul avec éducation. Ministère de la Condition féminine à Poucol. Ministère de l'Intérieur à Poucol, ministère de la Justice, ministère de la Défense, et puis ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, ministère des Travaux Publics, ministère de la Santé Publique et de la Population. Et d'après ça, un métronome eh bien, est révélé a gagné 3 ministres sans portefeuille. Mm-hmm. Oui. 3 ministres délégués pour vous dire la primature, je vous dis. Oui, oui, oui. 3 ministres sans portefeuille a gagné un ministre qui a pourrait. À question sécurité, ministre à la sécurité, ou bien délégué auprès du bureau ministre à la sécurité, ministre aux élections, ministre à la solidarité. Bon, sécurité, nous connaissons qui ça est prioritaire déjà pour cette équipe de transition. Élection, c'est également un objectif, on va dire, plus gros objectif, et équipe transition ça, et puis solidarité, bon, il a expliqué ça, et si c'est vos questions. Et volet social là, le ministère affaires sociales toujours là, bah oui. Solidarité, il y a qui ça? Bah non. Une des questions dit ça, toujours dit à bon rencontre entre PM Gary Kony, c'est une nouvelle rencontre. C'est vraiment une énième rencontre entre Premier ministre Gary Kony ensemble avec conseiller président. Yo. Donc il sera question de finaliser la liste des ministres qui ont gagné pour constituer un nouveau gouvernement. Ça. Pas oublier, nous dit ça, au niveau du CPT, il y a pratiquement 9 ministères, il y a d'adoué et voué moun pou yo, et de l'autre côté, c'est 4, bien entendu, avec les 3 nouveaux et ministres sans portefeuille, 4 fait, au moins il y a 3 nègres là qui ont possibilité de jouer un job, même si vous n'avez pas bien côté pour vous chit. Il y a des pile. C'est qu'à Ronald Valet qui dénonce cette situation, la cause, c'est qu'il y a grand monde qui achète produits liés, ils ont l'air comme ça. En plus, situation économique qui n'est pas bonne, insécurité a fait un peu attisant ça, il y a une grosse difficulté pour le joindre matière première pour être capable de créer des artisanales liés. On suit un reportage avec Jean-Paul Lundi.
retourner avec le reportage Jean-Paul lundi réalisé pour nous qui vient pour avec artisan qui fait partie catégorie professionnelle violence gang exam yo dans région métropolitaine Port-au-Prince affecté. C'est car Ronald Valet qui lui-même dénoncé situation li à cause c'est quelques graines monde qui acheté produit li yo yon les concerts. En plus, situation économique qui n'est pas bon, insécurité, fait artisan, ça a une grosse difficulté pour jouer une matière première pour créer des artisanales. On a suivi un reportage avec Jean-Paul Lundi qui avait gagné pour venir et pour présenter nos reportages SILA que le réalisé avec artisan Ronald Valet qui lui-même plaignait le fait que violence si gagne dans la région métropolitaine Port-au-Prince affecté non seulement façon li habitué travail mais tout fait que pas gagne moyen l'argent qui rentrait dans le secteur par là, puisque pas vraiment il y a un touriste qui rentre, mon pas vraiment sorti. Donc, citoyen ça qui demande à la dirigeant pour fonger pour établir sécurité dans le pays et de façon pour toute activité capable de fonctionner correctement. Nous prenons rejoindre Jean-Paul lundi, si il y a des difficultés. Et va ben me garder. Qui est-ce qui vient de passer nous-mêmes? Oui, ah, c'est. Qui est-ce qui vient de passer? Eh bien, ok. Oui, oui. Bon, vous permettez de suivre vos portails. Ça avec Jean-Paul lundi. Est-ce que me connecter? Et va ben me garder. Est-ce que nous connecter pour nous être capable de permettre auditeurs qui ont une idée de reportage? Ça, Jean-Paul lundi, l'y réalisé. On a le suivre. Nous faisons un pile de bagages. Nous faisons tableau personnalisé, nous faisons tasse, nous faisons bidon, nous faisons porte-clé, horloge. Un pile de bagages. Quelques valises pour femmes croquées dans Yomi. Bracelets, zanos, divers produits artisanaux alliés sous yon table. Ronald Valet tablil dans Delma 83. Li utilise konbef, vieux carton moun jeté pour le travail. Li bayo, yon deuxième vie. Toutes belles œuvres ça après là, valises, des bijoux, c'est des produits qui fait avec corn beef, ce beef là. Nous même ça nous fait en général, les monsieur pensaient que bon c'est déchets là la gueule dans la rue nous même ramasser. Surtout après nous avons fini de bouillon là, nous jeté Zoa à terre, nous nous prenons Zoa, nous faisons cabaret avec elle, nous faisons Zanou avec elle, nous faisons bol avec elle. En gros, nous portons dans la société, nous faisons utiliser. Artisan ça qui a 19 l'année dans le secteur, vante qualité Zev Lio, sitôt, sandales et valises, les produits. Pour toutes belles valises ça qui là, c'est toile avec carton, c'est nous-mêmes qui faisons, ce n'est pas des produits importés. C'est nous-mêmes qui produisons en dedans ou dans la création. C'est des cartons qui TP. OK? Donc, même qui est mouillé, il n'y a pas de problème. C'est ça qui fait nous prendre des précautions parce que nous connaissons toile la cassale, il faut que nous besoin de laver, il n'y a pas qu'à utiliser une seule fois. Si tu es haïtien, nous n'avons pas de cobre. Donc, c'est ça qui fait depuis que nous faisons, nous prenons des précautions, nous faisons façon pour être capable d'utiliser le monde pour plusieurs mois. Zev artisanal, yo belle, c'est vrai. Mais chaque jour qui fait jour, Ronald prend un mot sur toile pour ouéter poussière sous yo. L'ab gade kalte travail li réalisé. Mais c'est chaque Saint-Sylvestre yon moun achete youn nan produit li yo. Ou artisan, c'est conséquence insécurité gang armé yo blay nan quatre coins pays ya qui la cause li pa ka vann. Ou le fait kob. L'autre artisan kon ou ete la ka li di ket, ba mal nan tel plage, ba mal exposé. Parce que plage yo toujours gen programme kap fait, mais kon ya la à cause insécurité ya. On va pas traverser un département ou l'autre. On va pas même gagner de communes, on va pas traverser pour aller là-dedans. Nous sommes obligés de travailler en pile, mais pour nous retenir, mais nous, pas de touristes, je suis pas rentré. Ronald a fait face à qui on l'autre défi. C'est joindre matière première pour le travail. Bandit campé en zob l'autre sous route, même artisan prend bout de terrain. Pour dire ça, nous travaillons, c'est comme bœuf. Nous avons joué Mariani, bon, tout le monde connaît ça qui a passé Mariani. Nous avons joué au Cap. Pour passer mon cabot pour venir avec un paquet d'argent. Et si vous n'avez pas de beau,
Donc, l'insécurité a fait un impact sur nous, tout net. Et que des matières premières, nous avons besoin, c'est Saint-Domingue tout. Pour venir jouer nous, c'est très très difficile. Ou en un moment, là, il y a un plastique pour nous travailler dans le pays. Ancien client Lyon, par contre, qui côté pour nous joindre. Atelier Grappa qui était comme un top artisan dans la Réunion, dans Port-au-Prince, pas là encore. Ronald regrette. Bandit la gueule dans la rue. De fonctionner dans la rue de la Réunion, numéro 210, deux facultés de sens. Et bien, moi, je suis capteur de Ronald qui a chanté par contre après 19 ans de carrière. Donc, ben, c'est en pile, moi, je connais. Mais, je prends business, non? Je prends tout le bagage, non? Je dis, on a des bras bandits. Mais Dieu merci, nous encore là, c'est nous-mêmes qui t'ai fait, nous avons goûté pour nous capables de fonctionner. Mais nous avons un atelier encore. Après, il y a un Grappa. C'est là, nous plus que 50. Bon, ça fonctionne du même côté. Il y a tout le monde qui est avec les organes, qui est en province. En gros, le pays a mis nous dans une situation difficile, même quand on est un jour là. L'obligé courir quitter Kaili dans le Kafoufei à cause de violence gang. C'était ça, pas joindre un crédit à la banque, en pilatisant dans ben chien. Ronald Valet espérait que le gouvernement Gary Conilan pral rétablir la sécurité dans le pays pour les gens qui continuent à la plage, pour les touristes viennent visiter Haïti. Ou diaspora entre, comme ça, artisan yo, apka souri. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Merci à pile Jean-Paul Lundi qui t'a présenté un reportage. Si le ministère de l'Éducation nationale prend sanction contre employé qui est impliqué dans la corruption pour manipulation dans affaires légalisation, diplôme et certificat, et puis renforcer disposition contrôle sous dossier. Si la yo, ministère a annoncé les prend sanction contre employé qui est impliqué dans la corruption, dans la manipulation pour l'agent document pour légalisation. Tant que diplôme et certificat, comme ça, MNFP décide si ce n'est pas un employé qui est impliqué dans mauvais actes et il pral fait suivi d'après ça, il a annoncé pour jouer une révocation sans perdre du temps. Le ministère prend décision ça après rapport qui soutient la direction affaires juridiques d'âge et plainte usagée, l'itéré se voit contre employé Silayo. Et puis tout après vérification sur accusation de corruption, ça. Suivant instruction autorité dans le ministère, inspection générale, éducation ministère pral fourni gardé pour approfondir enquête là avec collaboration d'âge pour identifier tout l'autre monde qui t'a impliqué dans mauvais actes si là pour qu'a joindre sanction yo mérité d'après la loi et règlement sous question. Mais NFP profiter rappeler public là c'est seulement yon récépissé pour acheter dans DGI pour chaque document y a légalisé en dans ministère. Aucun citoyen pas doit payer un goût de l'esco en plus pour service ça. Mais NFP fait songer, il était déjà prend plaisir mais y dans matériel contre corruption sous question en tant que l'élite prend décision fermer bureau ministère te gagné dans babiole et puis tout le monde qui a pris certificat baccalauréat tout légalisé en ligne sous site ministère. En plus ministère pas prend diplôme université pour légaliser nan men yon moun, c'est université yo même qui doit faire suivi directement avec ministère à travers direction enseignement supérieur et recherche scientifique. N'a parlé de DESR ak d'âge qui en charge question. Ministère a invité tout le monde pour te plaindre contre individu zagoloura et mal intentionné qui a demandé corps pour bail service alors que la loi ak règlement yo pas mandé ça. Comme ça moun yo capable rele nan centre appel ministère pour bail doléance dans numéro sa yo. C'est 31 26 75 19 31 26 75 19 47 20 43 75 47 20 43 75. Voilà Caraïbe FM journal créole première occasion à para poursuivre nous pral parler avec docteur Belita Bayard qui gagne 20 signatures livre qui relaie l'éducation à la citoyenneté au cœur d'un déficit de gouvernance du système éducatif haïtien. C'est pour demain samedi 8 juin 2024 là, dans l'école Frère Saint-Joseph à Pétionville en face de l'église Saint-Pierre à partir de 10h dans le matin. Il y a un ouvrage de référence pour parler en résumé de livre ça. Docteur Belita Bayard en direct avec nous. Bonjour. Bonjour.
bonjour, auditeur de Boulevard, bonjour, bonjour pays d'Haïti. Oui, comment vous? Allô? Oui, 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 moi. Oui, docteur Benita Bayard, donc ou c'est docteur en sciences éducation, spécialiste en gestion système éducatif. Faut parler non de l'IFSAM, bah qu'on est ses premiers ou c'est habitué écrit déjà. Donc votre signature là c'est pour demain. Faut une présentation pour nous de l'IFSAM, pour éviter pour bien l'acheter dans l'école Frère Saint-Joseph demain. Oui, livre-là, c'est son recherche que j'ai fait notre boutesse doctorat moi, et puis on a la mappée, me mettre dans le livre pour capable offrir au grand public, pour capable offrir au grand public, c'est pour ça que je mettais en ligne, en livre, et pour capable offrir au grand public. C'est un livre, regardez-moi, éducation, curriculum de l'éducation à la citoyenneté, il y a un petit problème, je ne vais pas déjà me mettre en application. Et puis, je regarde tout document ministère, le ministère a écrit, je ne vais pas vraiment me mettre en application. Et puis, je me dis là, il y a un problème de gouvernance qui fait ça. Et puis, je mettez en ligne, excusez-moi. Oui, alors oui. C'est pour ça que j'ai écrit le livre là. C'est dans le cadre de ça que j'ai fait une vaccination demain, si je veux, à 8 juin, à 8 heures, et à Frère Saint-Joseph. À Frère Saint-Joseph, en face en place Saint-Pierre-Pétionville, c'est là que j'ai fait une vaccination. Ok, donc. Allô? Oui, allô? Oui? Non, mais ce sont livres que tout le monde a. Alors, les abordables et tout le monde a dû acheter. Li. Ou dit, votre signature, là, c'est dans l'école Frère Saint-Joseph. Yo. C'est pour demain, avec qui le concert? Combien de temps ça va durer? À partir de 10 heures, à partir de 10 heures. Mais nous avons fini avant 4 heures. Tout le monde a marché un petit peu tôt parce que non seulement il y a plus vite batterie, c'est de la bonne marchandise et on va faire un pile tout parce que manque de moyens, on va faire un pile. Et on va même premier arrivé au premier servi. Et on va même marcher vite pour préparer, on va même finir avant 4 heures. Expliquez-nous dans livre ça et peut-être une question yo, c'est comment gouvernance avec gestion système éducatif là affecté andi mise en œuvre programme qui dans système éducatif. Oui, c'est parce que c'est basé sur PNEF là, plan national éducation et de formation. Qui était fait écrit en 1998 dans un congrès qui était fait Saint-Marc. Mais bref, le congrès même oublié non, il était Balia. Soit congrès, soit forum, même pas changé non exactement, il était Balia. Qui était accouché pour un PNF, la Plan National d'Éducation et de Formation. Et à partir de tout ça, il était fait un projet d'éducation à la citoyenneté. Donc, projet d'éducation à la citoyenneté, il vient de faire en 2001. Mais depuis là, il fait en 2001, il va jamais mettre en application à l'école. Yo. Et puis moi-même dit bon le même enquête bon et puis dans l'école auprès du directeur auprès de direction départementale il dit il y a des gens qui disent moi même moi j'aime comme programme d'éducation à la citoyenneté du secondaire là et puis il y a des gens qui me posent son programme d'enregistration après plus de 20 ans programme pas d'enregistration qu'on a quoi là faut être caduc faut être mais passé mais là donc c'est pas qu'on y a pour être parler de lui et pourtant il y a des gens qui disent moi j'aime connais du tout. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de gouvernance. Et puis, je regarde auprès de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, je regarde tout dans la gouvernance qui est la direction curriculum de la qualité. Et puis, je regarde, moi, il y a un peu de faiblesse pour te mettre le curriculum éducation à la citoyenneté en mise en œuvre. Et c'est comme ça que j'ai écrit, à partir de l'enquête que je fais. Moi, j'ai un résultat, et puis moi, j'ai eu des propositions, et puis même proposer un livre-là, et moyen pour mon état, et faire mise en œuvre, et un document, et un projet, et.
même proposer des pistes de solutions. C'est demain, oui, rendez-vous, c'est demain 10h, oui. Et dans l'école Frère Saint-Joseph.